voir aujourd'hui le post-bop, qui n'est pas un mouvement en soi, mais plutôt un repère temporel, une appellation un peu fourre-tout. Essentiellement, ça apparaît après le milieu des années 60, et puis ça se poursuit jusqu'aux années 2000. C'est un mélange hybride d'esthétique qui approfondit les mouvements comme le cool jazz, comme le hard bop, le jazz modal, le modern creative. Donc, ce sont des musiciens qui vont s'intéresser à l'histoire du jazz, qui ne voudront pas nécessairement réinventer la roue, mais qui vont approfondir les acquis de ces musiques. On peut parler même parfois d'un certain classicisme bop, mais ce n'est pas toujours aussi sage que ça, c'est-à-dire qu'il va avoir des plages plus sages, plus classiques dans le sens générique du terme, et non pas dans le sens de musique classique. Mais en même temps, il peut avoir quelques petites audaces ici et là, mais sans trop chambouler les choses. On n'est pas dans une musique d'innovation, mais à l'opposé, on n'est pas non plus dans une musique revival qui ne fait que répéter ad nauseam ce qui s'est fait avant. C'est un peu comme un chemin mitoyen d'approfondissement. Moi, je comparerais ça peut-être en musique classique à ceux qui font du néoclassicisme, qui en ont fait pendant le milieu du 20e siècle. Donc, on revisite des compositeurs, des maîtres anciens, mais on en fait d'autres choses. Toujours dans un but d'approfondissement. Dans le post-bop, la notion de standard est élargie. On peut aller fouiller non seulement dans les recueils de standards, ce qu'on appelle les fake books ou les real books, mais on peut aller chercher dans des succès de post-rock d'aujourd'hui, de indie ou encore de chansons plus ou moins à la mode. Donc, on ne se limite pas à ce qui est étiqueté jazz. Ceci dit, quand on décide d'aller ailleurs, on a entendu des pièces là, de Radiohead, notamment reprises par Brad Mehldau, on va quand même réinjecter ça dans un langage purement jazz. Peut-être pas nécessairement purement jazz, mais c'est purement de la musique d'improvisation. Excellent musicien qui a œuvré dans ce qu'on pourrait appeler le post-bop, c'est Wayne Shorter, qui est né en 1933 au New Jersey. Il joue du sax ténor et soprano. Il est aussi compositeur et arrangeur. D'ailleurs, c'est avec Herbie Hancock, c'est un des derniers musiciens qui a réussi à faire autant de standards joués par plusieurs de ses collègues et plusieurs des musiciens qui sont arrivés après lui. Il a joué avec énormément de gens, que ce soit Art Blakey, les Jazz Messengers, j'en parlais dans une autre capsule, que ce soit avec Miles Davis, j'en parlais aussi, que ce soit avec Horace Silver, Freddie Hubbard, McCoy Tyner, Reggie Workman, Elvin Jones et même Joni Mitchell, la chanteuse d'origine canadienne. Il a été membre de Weather Report, groupe de jazz rock. Faut pas oublier que Shorter a participé à l'émergence du jazz fusion avec Miles Davis et l'album Bitches Brew en 1969. Donc, un petit peu plus tard, avec Weather Report, il a continué cette exploration où on trouve des éléments de funk, de rock, de musique jazz, bop et un tout petit peu de musique du monde aussi. Il a d'abord été influencé par Coltrane. Il aimait bien les solos sinueux et le son très profond à la Coltrane au début de sa carrière. Et ensuite, tout en restant dans un jazz assez modal, il s'est écarté un peu du jazz free pour aller vers un jazz quand même un peu plus accessible, je dirais, avec un certain lyrisme qui conjugue des belles mélodies, mais avec un sens de l'arrangement assez moderne et original aussi. Il a fait plusieurs albums Blue Note, notamment Juju, J-U-J-U, Speak No Evil. Il affectionne dans ses solos et dans ses compositions
notamment des pédales harmoniques, c'est-à-dire une certaine ligne de basse relativement simple, parfois sur des rythmes ternaires. Etc. Donc, imaginez un peu plus bas, une octave plus bas. Donc, il affectionne ce genre de basse qui lui permet d'ouvrir son jeu, un jeu très modal. Parfois, même si c'est encore plus simple, seulement le fondamental et la quinte. Donc, les modes sont ambigus, on peut faire plusieurs modes sur la ligne de basse. Donc, ça donne beaucoup de possibilités. Ses solos sont toujours très bien structurés, très bien composés, avec des plages aussi de silence, donc c'est bien aéré. Très belle relation harmonique avec des petites surprises ici et là, c'est-à-dire des petits accords qui surprennent, mais pas toujours. C'est toujours bien dosé. Comme plusieurs grands musiciens de jazz, quand il improvise, il nous fait croire qu'il compose à mesure. Faut pas oublier que Wayne Shorter a participé au tout début là, du jazz fusion, notamment dans l'album Bitches Brew en 1969, album de Miles Davis. Alors, dans les extraits que je vous propose, il y a notamment le très beau disque de Johnny Mitchell, où vous allez pouvoir entendre un très beau duo avec Wayne Shorter au sax et puis la voix de Johnny Mitchell. C'est un album qu'elle a fait en hommage à Mingus. Très bel album d'ailleurs, fait uniquement avec des musiciens de jazz de très haut calibre, notamment Jaco Pastorius. L'autre extrait que je vous propose, c'est de Bitches Brew, c'est une version live de 1970. Ça permet de voir aussi l'évolution de Miles Davis. Dans une autre capsule, on voit un extrait en 67, donc il a fait un virage à 180 degrés. Vous pouvez noter aussi qu'il y a un instrument brésilien dans cet extrait-là. L'extrait Footprints, qui a été enregistré en 1967 avec Miles Davis, Herbie Hancock et Wayne Shorter notamment. Alors, c'est une pièce en 6-4, donc assez ternaire, un peu comme une valse modale, une valse un peu étrange. On va utiliser un mode assez ambigu, ce que j'appellerais un do mineur modal, mais c'est un do qui se promène beaucoup. Donc on peut autant aller dans le do blues. Le do de rien. Ou le do éolien. Acidique. On pourrait même aller dans un do in sand. Etc. Donc il y a beaucoup d'espace pour jouer avec les modes, peu d'accords, sauf une descente chromatique. Vous allez voir dans le petit diagramme de l'animation, c'est plutôt en bleu, donc des accords plutôt reposants, mais à un certain moment donné, il y a des accords suspendus qui sont un peu plus dissonants dans le contexte, qui pourraient sonner moins dissonants si on ne fait pas les septièmes. Ce qui est encore plus dissonant, c'est que c'est chromatique. Donc, on va chercher quelque chose dans le genre, là. Vous allez pouvoir entendre un solo de Miles, étonnamment avec pas mal plus de notes que les solos auxquels il nous a habitués dans la deuxième moitié de sa carrière. Remarquez le rôle de la section rythmique qui est beaucoup plus contrapuntique ici, c'est-à-dire que on sent plus de liberté chez les musiciens accompagnateurs. La pulsion du comping est beaucoup moins prévisible aussi. Si on se rapporte aux périodes avant le cool jazz, là, il y avait quand même une pulsion relativement régulière. Avec l'arrivée du jazz modal, on passe à une autre vitesse, pas dans le sens de tempo, là, mais à d'autres types de fluidité rythmique. Il y a un riff anacro, c'est-à-dire que la basse commence avant le premier temps, donc ça fait. Ta-du-du-du-du, 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 ta-du-du-du-du.
Alors, l'anacrouse ici est intéressante pour créer une sorte de mouvement. Parfois, le jeu de Herbie Hancock est un petit peu out. Vous remarquerez que ça dérape un peu. Vous remarquerez aussi l'anche utilisée par Wayne Shorter, un peu comme celle de Coltrane, des anches difficiles à jouer, des anches dures, ce qui donne un son avec plus de résonance, un peu comme un hautbois. Plus le solo de Wayne Shorter avance, plus il y a une intensité. Un peu comme Hancock, à partir de peu de matériaux, il peut arriver à créer un build-up, c'est-à-dire une accumulation d'idées qui vont vers une grande intensité. C'est intéressant aussi de voir l'accompagnement de Herbie Hancock, c'est-à-dire avec peu de changements d'accords, il arrive à créer une variété de sonorités, c'est-à-dire que le même accord, il peut jouer de façon différente, avec différentes positions. Pour ceux qui ne sont pas très au courant de ce qu'est l'harmonie, c'est un choix de notes pour créer un écrin à une mélodie. Donc, en variant le choix de notes, mais tout en restant dans l'esprit de l'accord proposé, on peut aller chercher différentes couleurs. C'est ce que Herbie Hancock arrive à faire ici. Il peut être parfois plus interventionniste, parfois un peu plus en retrait pour laisser beaucoup de place aux solistes. Ce sont tous des musiciens qui s'écoutent beaucoup et on le sent dans cet extrait. Et encore une fois, une sorte de power chord. Bon, il y a une tierce mineure ici, mais ça laisse quand même pas mal de possibilités, mais essentiellement des modes d'art mineur à cause de la tierce. Remarquez aussi le jeu du batteur qui prend de plus en plus de place et qui a un petit côté mélodiste, notamment avec son jeu de peau, et il réussit à évoquer des mélodies, bien que la batterie n'est pas à proprement parler un instrument mélodique. L'autre extrait avec Miles Davis, c'est une pièce intitulée Directions, enregistrée live en 1969. Il y a aussi Dave Arlen à la contrebasse et puis Chick Corea au piano. C'est une composition de Joe Zawinul qui a participé à Weather Report avec Wayne Shorter. L'esthétique ici est vraiment affranchie là, de Coltrane. On est dans un son là, plus de fusion, mais avec un côté modal aussi. On est un peu dans une transition. Il y a des motifs répétés, on se rapproche d'une certaine esthétique pop, notamment écouter les basses du piano électrique. Le traitement du son, ce qui est relativement nouveau en jazz, plus propre à la musique rock, donc avec des réverbérations, puis des effets aussi propres à la lutherie, de la musique populaire, des pédales à effet, des trucs comme ça. C'est intéressant aussi de voir le dialogue entre Chick Corea et Miles Davis, qui cherchent toujours à se relancer. C'est une période où on tente à la fois d'aller dans des voies plus libres, mais aussi plus populaires, ce qui peut être un paradoxe dans certains cas, mais ce ne l'est pas dans cet extrait. Il y a une transe qui est apportée par des éléments harmoniques plus simples, mais des solos mélodiques plus complexes. Ce qu'on simplifie à la main gauche au piano, on va le complexifier à la main droite. Et puis aussi, ce qui est assez caractéristique, non seulement du jazz fusion, mais aussi du jazz free, il y a des durées de chansons qui s'allongent. On dirait que les transitions entre les pièces sont assez floues. C'est comme si c'était des albums concept, là, et puis qu'on faisait 1 heure de musique sans prendre le spectateur par la main pour lui dire, ben, regardez, là, la pièce est finie, on passe à une autre pièce. C'est vraiment pas le cas. On est toujours dans une sorte de maelstrom, une recherche d'intensité avec des pauses à même la pièce. Et puis on enchaîne constamment. L'autre pièce proposée, c'est Jojo, J-U-J-U, jouée ici en 2001, donc c'est beaucoup plus près de nous. Donc c'est une pièce en 6-4 aussi. Remarquez le jeu d'accent dans la section rythmique. J'en parlais dans une autre capsule. Donc l'accent, c'est comment on fait le phrasé d'une mélodie ou même d'un accompagnement d'accord. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc on va chercher, pas toujours sur le premier temps, pas toujours sur le troisième, parfois entre les temps, l'accentuation des notes dans les mélodies vient donner un caractère propre à cette mélodie-là. Ou à ce jeu de succession d'accords. C'est ce qu'on entend dans cette pièce. Il y a un solo de piano assez déjanté. Ça dérape, vous allez voir. Il y a l'utilisation d'accords augmentés. Alors, qu'est-ce que c'est?
niveau ici, la quinte est augmentée, on s'attendrait à ça. Ça permet des résolutions vers différents types d'accords. C'est un peu comme les accords diminués, là. Mais c'est ça, c'est au lieu d'être des tierces mineures qui se succèdent, c'est des tierces majeures. Le pianiste dans cette pièce va intégrer des éléments afro-cubains, donc des fragments de Montuno du genre. Mais les Montuno, il y en a des centaines de variétés, donc là je vous en fais un, mais c'est pour vous donner une idée, là, c'est assez polyrythmique, là. Notamment la main gauche fait assez rarement le premier temps, et puis la main droite se promène souvent entre les temps. Et c'est la même chose pour la contrebasse qui est volontairement déplacée. C'est une caractéristique du tumbao en musique cubaine. 4, 1, 2, 3, 4. Tap. 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 Il va plus tard amalgamer et varier les métriques. On va même entendre un 11-4, ce qui est quand même assez peu courant en jazz. Donc 11 temps de noir pour faire le cycle. Et à la fin, il va y avoir des lignes parfois en quarte. Là.
On va passer à un autre musicien qui est d'une autre génération, qui a succédé à Wayne Shorter, bien que Wayne Shorter joue encore. Donc, Brad Mehldau, qui est né en 1970. Donc, on se rapproche dans le temps, beaucoup plus près de nous. Il est né en Floride, c'est un pianiste. Il a joué avec Joshua Redman, avec Toots Thielemann, Wayne Shorter aussi, avec Charles Lord, Charlie Haden, Pat Metheny, Lee Konitz notamment. Il a beaucoup enregistré avec son trio. Il a changé depuis quelques années de contrebassiste et de batteur, mais il a longtemps été avec les mêmes. Il a une formation classique, donc grande capacité technique. Il ponctue ses improvisations de passages contrapuntiques assez élaborés. C'est-à-dire qu'avec ses deux mains, il peut jouer deux, parfois même trois mélodies d'une façon assez virtuose. Il a développé un jeu en piano solo, mais aussi en trio, très très raffiné. Très énergique aussi, ce qui parfois peut être paradoxal, mais pas chez lui. Il y a une interaction entre les musiciens constante, avec des longs patterns rythmiques, un sens aussi polyphonique, donc des éléments différents qui s'imbriquent très bien. Burr Meldow n'a pas peur d'aller puiser des chansons en dehors du monde du jazz. Il a fait des pièces de Nick Drake. Il a fait des pièces de Radiohead, dont l'excellente Exit Music, Music for a Film. C'est un musicien avec une esthétique hybride. Chez lui, ce n'est pas un patchwork plus ou moins boiteux. Chez lui, c'est vraiment un mélange très bien intégré. Il est ouvert à différents horizons, à différents grooves, à différentes esthétiques, que ce soit Bach, que ce soit Monk, que ce soit Bill Evans, Wayne Shorter aussi, dont on parlait aujourd'hui. Chico Buarque, en passant par Nirvana. Donc, on dirait que rien ne l'arrête, dans la mesure où il sent une intégrité musicale dans le matériau auquel il emprunte. Il se lance à fond dans l'aventure et puis il en fait d'autres choses. Il le met à sa main. Il a quand même étudié ses classiques, un peu comme les musiciens néo-bop qui peuvent faire à l'endroit puis à l'envers n'importe quel standard. On sent qu'il a cette formation-là. Mais chez lui, il y a quand même tout un aspect créateur. C'est un créatif aussi, c'est pas seulement un imitateur. Il travaille beaucoup la sonorité. Remarquez la manière qu'il touche le piano, la manière qu'il aborde un accord. Il travaille beaucoup les structures. Vous remarquerez que dans une improvisation, il peut allonger les successions d'accords. Il peut quasiment rendre une pièce comme si c'était une suite. Une suite, ça vient de la musique baroque, c'est-à-dire un enchaînement de danse du temps de la musique baroque, du temps de Bach. Sa formation classique lui permet d'avoir une vision plus large de la musique. Pas seulement la forme chanson ABABA, c'est-à-dire couplet, refrain. Il peut aller plus loin que ça. Même s'il ne joue pas free, il va chercher sa fraîcheur dans la juxtaposition d'idées qui sont un peu inouïes. Ce qui prouve que ce n'est pas nécessairement dans le free que le jazz trouve toujours ses lettres de noblesse d'avant-garde. On peut explorer ailleurs. Dans les extraits que je vous propose, il y a la pièce Centinella, jouée en 2013, duo batteur-piano. Déjà, c'est une formation un peu inusitée. C'est un début minimaliste, mais avec une richesse harmonique qui est très présente. S'ajoute à ça une sorte de riff qui est inspiré du post-rock de groupes comme justement Radiohead ou même de groupes de précurseurs comme Talk Talk, des derniers Talk Talk plus expérimentaux. Donc, ça a beau être issu d'une certaine esthétique indie, avec l'intensité que ça suppose, il reste une fluidité jazz dans ce qu'il fait. Vous remarquerez que le motif ostinato qu'il utilise part, parfois s'envole, vers les moments de fulgurance romantique, dans le sens du mouvement en musique classique, là, incarné par Chopin, Liszt et compagnie. Il utilise aussi un piano droit, ce qui est un peu étonnant parce qu'il a certainement les moyens d'utiliser un piano à queue, mais ici on sent la volonté d'aller chercher une sonorité plus brute. Vous allez entendre aussi avec la batterie électronique des échantillons. On voit que le jazz, comme toujours, il est ouvert à la fois aux musiques plus savantes, mais aussi aux musiques qu'on entend dans la rue, donc aux musiques de trance. C'est ce qui fait la force du jazz, c'est ce qui fait que le jazz se renouvelle constamment, c'est qu'il est toujours aux confins de deux mouvements qui pourraient s'opposer. Dans le jazz, on voit un lieu de convergence. Je vous ai mis un extrait aussi du trio de Brad Mehldau, puisque c'est vraiment important de l'écouter dans cette formation.
une très belle pièce, Along Together. Le début de la pièce, vous allez voir, c'est quasiment contrapuntique, deux ou plusieurs mélodies qui se jouent ensemble. Et la ligne de basse est chromatique, c'est-à-dire des demi-tons. Là, je ne vous fais pas la ligne de basse, mais c'est juste pour vous donner la couleur. L'improvisation a des allures parfois de contrepoint de Jean-Sébastien Bach. Et j'ai eu la chance de le voir en concert à Montréal. Dans ses improvisations, il pouvait tout aussi bien avoir une main gauche extrêmement libre, comme si un musicien baroque se mettait à improviser devant nous, tout en gardant le groove jazz, ce qui n'est pas évident à faire. Tout en gardant aussi une certaine originalité. On n'est pas dans du Jacques Loussier qui jouait du Bach de façon jazzée, là, c'est pas du tout ça, là. C'est plutôt qu'on intègre des idées du passé, puis on les réactualise. Et un peu étonnamment, le thème Long Together arrive à la toute fin. Le dernier extrait que je vous propose, c'est avec les musiciens avec lesquels il a joué longtemps, Larry Gonadier et puis Jorge Rossi. C'est Exit Music, justement, la pièce de Radiohead, jouée en 2001. Je trouve que c'est une très belle pièce pour les gens qui n'écoutent pas beaucoup de jazz et puis qui s'intéressent au post-rock et puis aux musiques populaires un petit peu plus sophistiquées. C'est une belle porte d'entrée vers le jazz. Peut-être que vous allez faire le contraire, vous allez partir d'un jazz plus actuel, puis descendre vers peut-être même jusqu'à Duke Ellington, qui sait. Donc c'est une belle porte d'entrée et ça permet de voir comment on peut travailler un thème en jazz. Vous allez voir entre autres le dialogue entre les deux mains chez le pianiste. C'est assez sophistiqué. La section rythmique est assez libre. Il y a un jeu d'accent à la batterie. Et puis la contrebasse a un walking assez mélodique. Chez le pianiste, il y a un jeu à la fois, parfois in, parfois out. C'est-à-dire que parfois on est dans le ton, parfois on dérape un peu. C'est pas toujours en si mineur comme la pièce d'origine est. Ce qui fait que cette pièce, avec une bonne dose de mélancolie et de rage, pièce un peu oedipienne comme beaucoup de pièces du rock, là, eh bien, chez Brown Mehldau, il y a un peu de ça, mais on va aussi dans les nuances, comme si l'adolescent était devenu adulte.